Anna, ça va comme ça là? Je suis rentré le ventre. Attention derrière. Ce type de journée aujourd'hui, la journée des associations, c'est pour essayer de rebooster un petit peu, redynamiser ce bénévolat pour voir, pour montrer qu'ils ne sont pas seuls, que justement, avec 24 associations ou 25 aujourd'hui, leur montrer que voilà, il y en a d'autres qui sont impliqués comme ça dans le milieu associatif. Et ça peut les encourager et les motiver. J'ai eu la chance de participer à la vie de pas mal d'associations de Barjol. Je suis né là-dedans, je suis né dans le bénévolat et je fais partie de cette race qui est en voie d'extinction malheureusement. Hein. On en trouve encore, heureusement. Ouais. Mais enfin, je voulais dire que dans tout ce temps que j'ai passé au bénévolat, je me suis régalé, je me suis éclaté et je m'éclate toujours. Voilà. Je m'éclate toujours. Alors des fois on me dit, mais comment tu fais? Si j'ai envie, voilà, j'ai envie et j'ai envie de transmettre cette envie aux autres. Voilà. J'aimerais bien, ça me ferait plaisir. Alors le Lousse Pigaou est né en septembre 2014. Nous sommes deux à l'heure actuelle. Deux rescapés du Spigaou. Et est née très vite l'idée de créer une gazette locale pour fédérer un petit peu les habitants de Barjol. L'objectif principal, c'est vraiment fédérer les habitants. Cette gazette est participative. On insiste beaucoup sur ce point parce que ça signifie que les Barjolais et aussi les personnes des villages alentours peuvent s'exprimer dans cette gazette. Pour nous, l'engagement associatif, c'est une manière d'enrichir une commune. On pense que plus il y a d'associations diverses et variées, qu'elles soient culturelles, sportives, créatives, etc., plus la commune peut se développer, et se développer notamment humainement, dans l'échange humain, pour tous les âges. Et nous, le Spigaou, c'est ce qu'on veut faire, et notamment aussi à travers la gazette, puisque la gazette vise aussi à mettre en valeur ces acteurs de la commune de Barjol. Donc on met un point d'honneur à ça, notamment avec l'agenda, où n'importe qui pourrait faire un article lui-même dans cette gazette. Voilà. L'engagement associatif, je tiens à rajouter que c'est aussi pour moi et pour nous un engagement politique. Et du coup, faire un journal, c'est aussi participer à la politique de la commune, à notre échelle, sans jugement, etc., sans prise de parti, mais vraiment un engagement politique dans la vie citoyenne de la commune. Et voilà, le jour. Je présente les petites mains barjolaises. Après avoir fait travailler l'intelligence, nous on fait travailler les mains. Voilà, avec de la couture, du tricot, du bouti, plein de choses hein, qui nous occupent tous les mardis après-midi à Barjol. Voilà. Et comment? Oui, on partage nos savoirs, on raconte beaucoup de choses, on se parle. On essaye de faire venir des petites jeunes autant que possible qui ont envie de partager avec nous le goût de la couture, de faire des choses, de fabriquer et d'être satisfaites du travail. Voilà. Notre objectif, voilà, c'est de dynamiser la région, le coin, de proposer des événements qui... On va dire, il y a une quarantaine d'associations qui sont dynamiques et actives sur la commune. Et comme a dit ce matin monsieur le maire,
ces associations, elles sont vraiment là pour tisser du lien social. Il a dit le mot tisserand, si je comprends, si j'ai bien entendu. Parce que vraiment, ces associations, dans les communes rurales comme Barjol, elles sont fondamentales. Parce que par leur présence, elles nous permettent de créer donc, du lien social, d'une part, d'avoir des animations de qualité, qui soient sportives, culturelles, associatives, caritatives, sociales, etc. Et ça permet à la population de pouvoir inscrire leurs enfants dans pas mal d'activités sportives et eux-mêmes aussi de participer à toutes sortes d'associations diverses et variées. On peut se prévaloir à Barjol d'avoir une quarantaine d'associations. C'est relativement intéressant pour les communes comme la nôtre. Voilà. Commune de 3000 habitants. Voilà. J'habite à Barjol depuis une vingtaine d'années. Et je suis très impliqué dans les associations barjolaises, notamment l'association du tennis club de Barjol. Alors je voulais vous parler aujourd'hui du tennis club de Barjol. C'est une association qui regroupe environ 170 personnes, dont une 70 enfants. Et je peux vous dire que c'est une association qui fonctionne très bien. Nous avons régulièrement des nouvelles adhésions. Nous espérons qu'en 2015, il y en aura encore plus. Et nous faisons en sorte que tout le monde y trouve son compte. Notre président, Elian Guidi, a fait en sorte de pouvoir faire participer les personnes en difficulté au niveau moteur. C'est-à-dire que nous recevons des gens qui sont en fauteuil roulant, qui pratiquent le tennis. Nous recevons aussi des gens qui sont autistes et qui viennent prendre des cours avec Marina, la prof, qui est formée pour ça. Et dans le courant de l'année, nous faisons beaucoup d'actions, notamment le loto du tennis, le goûter des enfants à Noël. Qu'est-ce que nous faisons encore? La journée des familles, où nous rencontrons beaucoup de nouvelles familles de Barjol. Voilà, nous voulons que cette association continue, perdure, mais nous sommes en recherche de personnes pour participer au bureau du tennis, parce que maintenant, les gens comme moi se font vieux, et nous aimerions avoir un peu de renouveau. Voilà, je lance un appel pour qu'il y ait un peu de renouveau au Tennis Club de Barjol. J'ai une petite association qui débute cette année sur Barjol. C'est le club de judo. Donc on débute tout lundi. Voilà, donc apparemment je sais faire du judo, donc je vais essayer d'apprendre et d'en faire pratiquer les gens de Barjol, les jeunes principalement. Dans l'école de musique, par contre, dépend du. C'est en musique. L'école de musique dépend d'une association qui s'appelle l'Orchestre d'harmonie du Bessillon, qui est une très très vieille association, une des plus vieilles associations de Barjol, puisqu'elle date d'après la guerre. Donc en fait, c'est un. À la base, il n'y avait pas d'école de musique, c'était. C'est un ensemble de musiciens amateurs qui se sont regroupés après la guerre et qui ont créé une association qui s'appelle l'Orchestre d'harmonie du Bessillon et qui joue ensemble. Et il y a une petite dizaine d'années de ça, on a, avec la municipalité évidemment, on a créé véritablement le centre musical, c'est-à-dire l'école de musique proprement dit. Donc on a embauché des professeurs. L'engagement associatif, c'est quelque chose de très important, effectivement. Ça crée déjà du lien entre les gens. Vous êtes un peu seul, c'est l'occasion de rencontrer du monde. Vous avez des connaissances, c'est la possibilité de les partager. Donc chacun vient mettre sa petite goutte d'eau, apporter sa petite pierre à l'édifice. Et ça agrandit le savoir de tout un chacun. Je suis heureux de vivre à Barjol parce que c'est un village très sympathique.
qui offre beaucoup de possibilités et on s'y trouve bien, on y vit bien, une qualité de vie qu'on espère, on espère que ça va continuer ainsi. Voilà. Yeah.